Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Mon Seigneur, le nonce apostolique au Congo et au Gabon. Mon Seigneur, évêque de Kinkala. Mon Seigneur, Roberto Lucchini, premier conseiller à l'annonciature du Congo. Mon Seigneur, le vicaire général. Distingués frères et sœurs, consacrés et laïcs, toute préséance respectée. C'est sur ces paroles de notre Mère du Ciel que je fonde ce moment historique pour notre Église particulière de Brazzaville. Un moment historique non seulement en lien avec cette clôture de notre année pastorale, mais aussi et surtout avec la publication de notre directoire diocésain, ce ferment de vie nouvelle, servant de boussole à notre diocèse, document auquel nous consacrons la majeure partie de cette session. Depuis la fin des travaux de l'Assemblée spéciale des ouvriers apostoliques appelés ASOA, le regard et l'action de notre Église particulière étaient orientés vers la formalisation de nos recommandations avec la rédaction du directoire diocésain. Ce travail confié au secrétariat général de l'ASOA, que je félicite et remercie une fois encore. Ce travail, je disais, a été scruté par le Conseil épiscopal pour enfin déboucher sur cette étape de son enfantement. Il a fallu 2 ans de labeur, 2 ans de réajustement, de structuration, de contrôle, de vérification. 2 ans pendant lesquels nous sommes restés dans la ligne pastorale de notre thème central. Ensemble, construisons notre Église en mettant tout en commun. 2 ans pour une œuvre qui demeure perfectible. Aujourd'hui, cette visée pastorale donne une nouvelle impulsion. Cette visée de nouvelle impulsion devient une réalité devant nos yeux. C'est le point de départ d'une vie nouvelle. Le souffle de grâce qu'accorde l'Esprit du Seigneur dirige les temps nouveaux et souffle sur chacun de nous, sur notre Église, le vent de la Pentecôte synodale, Pentecôte de la conversion et de la prise de conscience de la nécessité de vivre ensemble en Église, en tenant compte de la vie de chacun et de tous. Frères et sœurs, le cœur débordant de joie et de reconnaissance, j'accueille avec vous la grâce inouïe de la lumière que nous accorde le Seigneur. Ce Dieu de bonté et de compassion a exaucé notre cri de foi pour la construction continue de notre Église qui est à Brazzaville. Son Église, l'Église du Seigneur. C'est lui qui nous a fait don de cet outil précieux qu'est le directoire diocésain, aujourd'hui entre nos mains. La présence de ce document signe des temps nouveaux. La présence de ce document signe les temps nouveaux que nous appelions de tous nos voeux. Les exigences de ce document, dans sa forme et dans son fond, viennent de notre volonté commune manifestée pour une Église mature et organisée, consciente de sa marche historique et soucieuse de redorer son propre blason. Les exigences de ce document, il nous faut le dire et reconnaître nouvellement. Ces exigences se concentrent dans l'urgence du changement de mentalité. Changement difficile, nous devons le reconnaître. Changement non facile, changement qui ne sera pas toujours facile à aborder, mais nous devons nous y mettre, nous devons entrer dans ce changement, nous n'avons pas de choix. C'est ce qu'on appelle l'urgence du changement à l'heure actuelle. Oui, frères et sœurs, c'est la convocation de la responsabilité et des comportements nouveaux, piliers sans lesquels nous passerons du même au même. Nous disons non. Ensemble, il y a 2 ans, nous avons dit non
à ce qui mène du même au même. Nous avons opté pour le changement. Il va falloir embrasser ce changement à bras le corps. Concrètement, c'est vers la nouveauté des impulsions pastorales que nous serons conduits dès l'ouverture de l'année pastorale 2024-2025. Année de démarrage de la mise en pratique des principes orthonormants du directoire. Du spirituel à l'économique, en passant par la gestion du personnel, c'est de façon synodale que nous allons nous ouvrir aux exigences du développement de notre Église et de nos services et de nos vies au service de Dieu et de nos frères et sœurs. Ces impulsions nouvelles du développement se concentrent dans un groupe thématique enraciné dans l'évangélisation, le développement structurel, l'éducation, la santé et la charité. En donnant la priorité à l'évangélisation, nous renforçons la conviction de la nécessité de la nouvelle vague d'évangélisation de notre territoire diocésain pour nous orienter de façon vraie et authentique vers la finalité de l'évangélité, cette vie nouvelle qui crée l'accueil de la parole de Dieu. Pour cette première et incontournable finalité, c'est à la source de notre vie chrétienne, en terre congolaise, qu'il nous faudrait repartir. Je parle de l'Inzolo. L'Inzolo, notre paroisse mère. Oui, c'est de l'Inzolo que tout doit repartir. Dans la dynamique nouvelle de notre archidiocèse, c'est chacun qui comprend la nécessité pressante de réorganiser cette source de l'évangélisation. Il nous faut reconstruire l'Inzolo, notre mission mère, en la dotant de structures utiles à un sanctuaire. Que notre volonté spirituelle se visibilise. L'Inzolo doit entrer dans cette dynamique du directoire, du changement. C'est impérieux pour les enfants de prendre soin de leur mère, surtout dans sa vieillesse. C'est source de plusieurs bénédictions. Distinguées autorités, frères et sœurs, la priorité accordée à la nouvelle évangélisation sera dans notre archidiocèse, au centre de toutes nos actions. Dans cet élan nouveau, chaque année, en débutant l'année pastorale, nous organiserons une campagne d'évangélisation dans tous les doyennés pour soulager la peine de la mobilité du peuple de Dieu. Cette vaste campagne contribuera dans sa dimension financière au renforcement logistique de notre commission diocésaine d'appui à l'organisation qui, après l'étape des chaises de la place mariale, vise déjà l'acquisition des chapiteaux pour ne pas toujours en louer. Les exigences du développement spirituel nous poussent aussi à la création des quasi-paroisses et à la construction de nos paroisses. Le programme diocésain de développement qui sera à notre portée au moment opportun oriente notre investissement dans la construction en donnant priorité à nos paroisses de campagne ou en zone rurale. Et comme par coup de grâce, frères et sœurs, nous en avons 6 dans la zone nord et 6 dans la zone sud. Ilmbamu, Inye Peka 45, Odiba, Invuba, Mbengabe, Inoni pour la zone nord, Ngangalingolo, Makana, Kubola, Djumuna, Linzolo, Gomatsetse pour la zone sud. À ce lot s'ajoutent les quasi-paroisses et paroisses qui sont en pleine capitale. C'est ici le lieu et l'occasion de parler des communautés Saint-Martin-de-Tours du quartier Domaine, Congo-Chine, des annexes comme Saint-Louis-des-Français et des quasi-paroisses comme Saint-Théophile et Saint-François-de-Sales de Kintélé. Toutes ces paroisses sont à construire. Tout ceci suffit pour nous dire, pour nous faire entrer dans le réalisme pastoral et l'urgence de construire pour le bien du peuple de Dieu. Aux stratégies d'investissement du diocèse vont s'ajouter, avec la puissance du Saint-Esprit, l'apport de chaque personne de bonne volonté. Distinguées autorités, frères et sœurs, c'est ensemble et d'un seul cœur que nous allons relever ce défi de transformation en construisant nos paroisses, en sortant du verbiage, des rumeurs et de tout ce qui détruit les sentiments, l'amour dans notre diocèse, entrant dans cette dynamique du directoire propulsé
par la soie. Dotons les structures de notre diocèse en exprimant notre maturité en tant qu'Église, 141 ans après notre évangélisation. C'est notre marche vers notre futur qui se conjugue chaque jour par la beauté de nos options et de nos orientations. L'impulsion collective générée par le directoire et renforcée par le programme diocésain de développement ne laisse personne au bord du chemin de la transformation multisectorielle de notre Église. Sur ce chemin, les différents mouvements d'apostolat ont un grand rôle à jouer, notamment avec la matérialisation de la construction de leurs différents sièges sociaux, sans oublier les activités de développement. C'est dans cet élan que des sessions de sensibilisation, de formation, de vulgarisation et d'imprégnation seront organisées à la rentrée pastorale et au cours de l'année pastorale 2024-2025. Il s'agira de donner à chacun la claire vision du devoir à accomplir et la conscience d'être droit à connaître et à vivre en Église. C'est de là que partira le vaste mouvement de la familiarisation avec notre directoire pour enfin en vivre la mise en action. Gloire soit rendue à Dieu, Père de toute sagesse, qui a rendu possible cette nouvelle marche pour notre Église. Par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame des Missions, et par les prières du bon cardinal Émile Biayenda, que Dieu bénisse notre Église, l'Église catholique qui est à Brazzaville, et partant notre beau et riche pays. Sur ce, je déclare ouverte la session de clôture de l'année pastorale 2023-2024. Je vous remercie.